efficace. Simplement, ici, j'ai tendance à penser que notre réflexion est souvent biaisée par la charge idéologique que l'on associe au terme de marché. Pas parce que c'est marché que c'est l'expression pure et dure du libéralisme, vous l'avez mentionné. Administrativement parlant, c'est extrêmement compliqué à faire fonctionner un marché du carbone. Si vous ne me croyez pas, allez voir le règlement concernant le fonctionnement des SPED du marché du carbone, vous allez comprendre que c'est assez compliqué. Donc la question, à mon avis, aujourd'hui, elle a un peu changé de nature. C'est plus de savoir s'il faut aller vers des marchés du carbone, mais plutôt comment est-ce qu'on peut aller vers plus de marchés du carbone, et notamment comment est-ce qu'on peut interconnecter ces marchés du carbone. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de marchés du carbone qui sont en train de se mettre en place localement. Et toute la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va pouvoir réussir à les interconnecter, comme on a fait avec le Québec et la Californie, mais à une échelle plus large. Est-ce que, par exemple, quand la Chine aura son marché du carbone, est-ce que l'Union européenne pourra acheter des crédits dans le cadre du marché chinois? Et là, peut-être que les négociations internationales pourront fournir un système de monnaie d'échange ou un système de comptabilisation pour garantir que un crédit carbone sur le marché chinois équivaut bien à un crédit carbone sur le marché européen, et s'assurer qu'il n'y ait pas une double comptabilisation des crédits carbone. Donc à mon avis, maintenant, le gros challenge, le gros défi qu'on va avoir sur cette question des marchés du carbone, c'est vraiment de comment faire pour interconnecter différents systèmes qui se multiplient au niveau local.